retour de docteur Soso et vous le savez quand il y a des patients à soigner on est là pour administrer les soins et là croyez-moi avec la sortie de Dragon Ball Sparking 0 il y a ce qu'il faut ah il y a des sacrés spécimens oui et ça se passe comme d'habitude sur Twitter alors je tiens à vous le préciser là c'est une vidéo récapitulative de ce qui vous attend ce soir à 18h en live ah oui parce que ce soir ah il y a du monde ah là c'est la queue le leu on est complet c'est comme un restaurant c'est complet ah, là, on n'a plus de place on a assez de patients donc là va falloir retrousser les manches, hein, parce que là, euh, va falloir charbonner. Oui, il y a du monde. Alors, on va aller directement sur mon compte Twitter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Twitter. C'est Sophia Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Bon, vous voyez, moi, j'ai fait un tweet. J'attaque personne, rien du tout. J'ai dit quel clip ce jeu. Merci Bandai Namco. Hashtag Dragon Ball Sparking Zero. Et euh, j'ai partagé un clip. Alors, je tiens à le redire, comme j'ai déjà dit. Il y a pas mal de défauts sur le jeu. Oui, parce que le jeu parfait, de toute façon, n'existe pas. Maintenant, le jeu n'a même pas encore 3 semaines. Bon, euh, on a déjà eu une première mise à jour avec un nerf de Yajirobe, etc. Le problème des touches classiques en online qui euh, se mettaient en standard et tout, ça aussi, ça a été patché. Bon, voilà, ils sont en train de corriger petit à petit euh, les choses sur le jeu. Il y en a, euh, non, c'est pas suffisant, c'est tout tout de suite, tout maintenant. De... Oh, doucement Donc, je peux comprendre qu'on ne soit pas satisfait 100% du jeu. Vous allez voir où je veux en venir. C'est pas le problème. Par contre, quand on te dit que le jeu est nul, le jeu est honteux, il n'a aucune qualité. Oui, aucune qualité. C'est ce qu'on m'a dit. Tu n'es pas objectif. Alors, je vais vous montrer hein, euh, le clip que vous compreniez. Alors, je vais juste enlever ma caméra. C'était lors d'un live en ranked, d'accord, en online, où j'enchaînais pas mal de games. Et euh, du coup, il y a eu ces fameuses téléportations qui font partie de Dragon Ball. Je tiens à le rappeler. Je vais vous montrer ça. Hop, let's go. Voilà. Wesh Oh Purée Ah, mon pote, là, j'ai pas j'ai pas parlé chinois. Hein. Ça a été chaud, hein. Wesh, non, mais toi, toi, tu veux... Toi, tu veux les problèmes, toi. Toi, tu veux les problèmes, toi. Toi, tu te mets vraiment en mode des baisers. Ça, j'aime ça Ça, j'aime ça, bonhomme Ouh. Voilà! Hein, je vous ai juste mis un clip, enfin, du moins pour euh, les gens euh, voilà, qui me suivent euh, sur Twitter, euh, parce que j'étais satisfait. J'étais satisfait des TP, etc. Et pourquoi? Parce que bah, du coup, moi, je me suis entraîné à avoir le bon timing au niveau des TP, et je suis content, online, du coup, eh bien de pouvoir prendre l'avantage sur ces fameuses TP. Bon, euh, jusque-là, voilà. Il y en a, ils me disent « Non, moi, j'aime pas, euh, il faut euh, nerf les TP, ça bouffe pas assez de qui ?» Ok, c'est possible, tu vois. Mais en soi, euh, les téléportations, comme ça, font partie de Dragon Ball, tu vois. Mais il y en a, « Non, c'est abusé, on devrait faire 2-3 TP. Comment » ça, Comment ça, juste 2-3 TP Non, non, non. Non, moi, je, non, moi, je veux qu'il y ait plusieurs TP, d'accord euh, bon, après, il y en a, ils sont partis dans l'exagération. Ah ouais, d'accord, tu clip, 80 de téléportations. C'est pas ce que je dis. Là, t'en fais pas 80. Même avec ta barre de qui à fond, t'en feras pas 80. Mais bon, l'exagération de certains. Bon, bref. Moi, derrière, voilà, j'ai juste montré ce clip. J'ai attaqué personne. Je dis comme quoi euh, je suis satisfait de pouvoir m'amuser sur le jeu. Même si derrière, il y a des choses à corriger. Et on le sait très bien. Il y a pas mal de défauts, etc. On peut le redire. Je vous ai fait même une vidéo dernièrement concernant le mode Watif, que c'est bien, mais c'est mal exploité. Faut que ça soit beaucoup plus accessible et simplifié. D'accord Qu'on ne passe plus plusieurs jours à créer un bon euh, Watif, etc. Les épisodes euh, personnalisés. Bon. Ensuite, on a quoi Eh bien, du, du coup, on me dit, c'est pas du tout comme TMKHI3, putain. Je dis euh, si, sauf que le timing... Est moins rapide et ça peut durer plus longtemps. Tu vois, parce qu'on avait déjà ce système de téléportation, je le faisais déjà moi avant, sur Tenkashi 3 à l'époque, tu vois. Euh, il m'a dit, bah justement, ça casse tout l'intérêt. Le truc, c'est que dans Tenkashi 3, ça soulignait le fait que tu sois bon. Là, c'est juste une musique que tu apprends par cœur. Euh, y a pas de, bah non, tu sais, ça te demande de l'entraînement avec un timing différent. Mais en soi, que ce soit le timing Tenkashi 3 qui était beaucoup plus rapide ou le timing un poil plus lent sur Spartan Zero c'est la même en fait c'est juste une histoire de timing je lui dis il y a un timing à avoir qui demande de l'entraînement entraînement de 30 minutes je ne sais pas comment il fait lui ok oui le story mode suffit pour avoir le timing même le Naruto sur PS2 maîtrisait mieux cet aspect là c'est honteux je dis ok d'accord qu'est-ce que tu... il te dit c'est honteux bon bah si c'est honteux on discute plus avec toi tu as ton avis j'ai mon avis et voilà Bon, lui, il a insisté. Il a insisté sur, sur plusieurs de mes tweets. Il lâchait pas le step, etc. Bon. La frappe rémanente qu'il faut nerf, c'est abusé. Alors, je, je prends ça comme un compliment. Euh, sauf que là, c'était pas du tout la frappe rémanente. C'est moi qui appuyais au bon moment, dans le bon timing, tout comme mon adversaire, pour pouvoir se téléporter. Rien à voir avec la frappe rémanente où tu te téléportes automatiquement. Hein, c'est pas, pas pareil. C'est pas... Voilà, donc, il faut savoir de quoi on parle aussi. Voilà. Bon. Comment tu peux dire merci en identifiant Bandai Namco alors qu'il y a 12 problèmes que tu devrais notifier avec ta communauté Alors on a déjà parlé des problèmes. Hein. On en parle, hein. même des fois quand on est en live, on dit ce qui ne va pas, etc. Donc euh, je lui dis, le fait qu'il y ait des problèmes à corriger n'empêche pas de remercier les efforts de qualité présents dans le jeu. C'est pas parce qu'il y a des problèmes, d'accord qu'il faut que ce soit corrigé et on espère et on le souhaite que ce sera corrigé. Que derrière on n'a pas le droit de remercier Bandai Namco de nous avoir sorti la suite de Tenkaichi -E alias Parting Zero. Donc voilà. Justement, le jeu n'est pas à la hauteur. Il a trop de défauts. Faut pas les sucer. Faut leur faire comprendre qu'ils ont chié dans la colle. Tu vois, voilà, est, il est là le problème. Voilà, problème français, typiquement français, sucer, chier. Voilà. voilà. À partir de là, tu, 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 tu arrêtes de, de répondre. Tu, tu, tu peux plus, euh, voilà. On passe pour des rigolos. Voilà. Euh, le gameplay de merde. Bon bah, pff, je vais je pas répondu. Hein. Je le laisse, gameplay de merde. Pff, pour toi, c'est un gameplay de merde. Moi, moi j'aime bien, hein, en soi, mais bon. Euh, et ensuite, on a Trivax qui a mis cette vidéo parfaite. Qui résume Dragon Ball, les gars. Ça, c'est Dragon Ball. Les téléportations à gogo. À partir de l'arc de sel, on avait les téléportations. c'est Voilà. C'est ça, bah du coup, Sparking Zero nous donne cette possibilité de revivre ça. Les TP, ça fait partie de l'essence même de Dragon Ball. Moi, je kiffe. Donc je dis la vidéo parfaite pour illustrer les TP dans Sparking Zero. Voilà. Donc ensuite, on a euh, mon tweet où je dis c'est dingue les personnes les personnes qui veulent convaincre d'autres joueurs que Sparking Zero est nul. Ça devient risible en fait. Vous n'aimez pas, ne jouez pas. Mais laisser kiffer ce qui aiment. De toute façon, ça critiquait déjà avant la sortie du jeu. On n'oublie pas, avant la sortie du jeu, le jeu est nul, il y a 50 Goku, il y a 50 transformations, y a... ça critiquait déjà. Donc forcément, une fois que le jeu allait arriver, ça allait continuer les critiques, voire même plus. Hein, Donc j'ai dit, oui, le jeu a des défauts, mais aussi des qualités. Sauf que quand tu lis certains, faut pas sucer, ça chie dans la colle, c'est honteux, c'est... On ne doit pas jouer au même jeu. Après, libre à vous de ne pas aimer. Et libre à moi de petits faits. Vous voyez là, voilà, c'est les goûts et les couleurs. Un avis, c'est subjectif. Ouais, t'es pas objectif. Un avis, c'est subjectif. Ouais, t'es pas objectif. Tu vas venir te faire soigner. Et on va t'apprendre ce que c'est ce l'objectivité. Et quand c'est subjectif, on va t'apprendre. Il n'y a pas de problème. Hein on est là pour ça. Voilà. Donc, euh, ensuite, le jeu est exceptionnel quand on s'investit pas dedans. Et qu'on joue juste de temps en temps. Malheureusement, plus tu y joues de façon sérieuse, plus tu te rends compte des défauts cachés du jeu. Alors, ça, c'est assez intéressant, euh, comme commentaire. Effectivement. Moi, je sais à quoi m'attendre avec un Budokai Tenkaichi. D'accord? J'ai fait, moi, tous les et j'ai fait tous les Tenkaichi, euh, de l'époque. C'est pas un jeu que je prends au sérieux et que je vais poncer en mode H24 et je m'arrête pas. Non. Après, là, tu vas t'écœurer du jeu. Ce n'est pas un versus fighting comme Fighters qui va te demander 200 heures d'entraînement dans la salle du temps pour maîtriser tous les combos. Tu as des combos à apprendre sur Spartan Zero, tu as du timing à apprendre, etc. Mais ça sera moins d'investissement qu'un jeu versus fighting comme Fighters. Parce qu'en fait, là, c'est un battle arena. C'est un battle arena. Et ceux qui me disent Ouais, le mode histoire, rien à voir avec la carotte. Oui, la carotte, c'est le point fort. Il n'y a pas de online, c'est un action RPG. Heureusement qu'on a un bête de mode histoire. Sparkling Zero on reprend un peu le style de Tenkashi 3. Tenkashi 3, les gars, on faisait le mois d'histoire tout complet en 6 heures. 6 heures, il n'y avait plus rien. Voilà. Et euh, à l'époque, tout le monde disait, ouais, incroyable. Là, si tu veux tout faire à 100%, c'est pas 6 heures. Tu dois prendre chaque personnage, etc. Ça prend du temps. Ça prend du temps quand même. Donc voilà. Je suis d'accord que derrière, il y a à la fois des cinématiques dans le mode histoire, parfois qui sont corrects, et parfois, il y a des diaporamas. Ça, c'est un peu relou, les diapos. Je suis d'accord avec ça. J'aurais préféré des cinématiques. Maintenant, est-ce que je vais cracher sur le jeu parce qu'il y a eu des diapos, alors que derrière, je prends du plaisir in-game Ben non. Je peux pointer du doigt le fait qu'il y ait des cinématiques, et que ensuite, ça se transforme en diapo. Ça, ça fait un peu grincer des dents. Par contre, attention, c'est pas pour autant que je dois balayer toutes les autres qualités du jeu. Vous captez donc j'ai dit il est là le problème c'est un battle arena euh, les gens le prennent au sérieux et s'en écœurent c'est ça le problème il y a des gens ils ont platiné le jeu en trois jours etc mais ça va pas à la tête mais moi je ne l'ai pas même pas encore platiné je crois que je suis à 40 heures de jeu je prends le temps je prends le temps je joue avec vous en live en vidéo et tout je prends le temps voilà c'est un battle arena c'est fait pour jouer en mode tranquille etc il n'y a même pas de compétition tu peux te faire des petits tournois, etc., mais c'est pas un jeu spécialement axé sur l'e-sport. C'est ça qu'il faut comprendre. OK Bon, euh, après, certains avaient tellement d'attentes qu'on ne peut pas leur en vouloir, ça je suis d'accord. Moi, je n'ai pas connu les anciens, donc les anciens Tenkachi. car trop jeune, j'avais hâte de découvrir le jeu. J'en suis pas déçu. Vous voyez? Il n'en est pas déçu. Juste, je joue trop en PVP, rang Z, donc là il a poncé euh, le mode online, il est monté jusqu'au rang Z. Les décos sont omniprésentes et gâchent un peu l'expérience du jeu, malgré que, comme tu disais, j'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu de DBZ avec les esquives, etc. Vous voyez, ça c'est constructif. Est-ce qu'on s'est pris la tête Non. Donc moi, qu'est-ce que je viens de lui dire C'est surtout ça le truc, c'est que certains voulaient faire les anciens affaires genre qu'ils avaient joué à Tenkachi 3, et les masques tombent. Et là, il me dit « Haha, c'est vrai qu'ils sont nombreux à forcer avec ça. » Le problème, c'est qu'on a des gamins qui te font croire qu'à l'époque, ils ont pensé et kiffé Tenkachi 3 avec ça, alors qu'ils n'y ont pas joué. Et du coup, ils découvrent ce que c'est un Battle Arena. Il est là, le véritable problème. C'est ça, en fait. Donc, on continue. Les défauts du jeu polluent le potentiel du jeu. Ça, je suis à peu près d'accord. Je suis à peu près d'accord et c'est bien pour cela qu'on espère, justement, des mises à jour. Je rappelle, le jeu n'a même pas trois semaines. Donc, on espère que par la suite, il y ait des mises à jour, des patchs, etc. Ils en ont déjà fait un qui a nerfé à Jirobé. Euh, derrière, euh, voilà, ils ont euh, nerf également, euh, euh, je l'avais déjà dit, mais euh, les touches euh, classiques euh, qui basculaient en standard en online et tout. C'était vraiment chiant. Tu perdu après pendant un game. Tu vois, voilà. Donc, j'ai dit, il faut patienter pour les collectifs. Le jeu n'a que trois semaines. Ils, sont des, ils ont déjà fait des mages. Il a dit, laissons-leur le temps. Alors, on verra combien de temps ça prendra pour régler le Ranked. De mémoire, ça a pris un mois et demi sur Fighters. À l'époque, il y avait le même souci. Souci du Ranked, où les gens euh, rachquitent, etc. Ça comptait pas les victoires, les défaites, etc. Ça avait mis à peu près un mois et demi sur Fighters. Donc je pense que ça va être à peu près la même chose, tu vois, sur euh, Sparkling 0B. Je vous montre déjà des commentaires où on n'est pas forcément d'accord, mais où c'est construit. D'accord Où on peut dialoguer, où on peut échanger. J'apprécie le jeu. Alors là, on commence à... On monte d'un cran, là c'est là où Dr. Soso doit intervenir par la suite, vous allez voir, là on monte d'un cran. J'apprécie le jeu, mais on ne peut pas quand même dire à des gens qui ont mis 120 euros sur un jeu de le jeter, jeter s'ils osent le critiquer. Alors j'ai pas dit ça, moi j'ai pas dit, ouais, euh, voilà. On n'a pas tous la chance de recevoir les jeux gratuitement. Ah, ça tombe bien, je l'ai payé. C'est un investissement, bah, je ne dis pas le contraire. Donc je lui dis, hein. je ai dit, je l'ai payé 320 euros, hein. premium collector. Plus la version dématérialisée. Vous vous souvenez, Premium Collector Je l'avais précommandé, je l'ai payé. La version des pourquoi Parce que vous le saviez, on n'a pas eu les codes, même en tant que créateur de contenu, de la part de Bandai Namco dès le lundi soir, à minuit. Il avait fallu attendre le vendredi, et moi, je vous ai fait un live dès le lundi, donc j'ai payé. Également, euh, ma version des Voilà. Euh, ensuite, mais je ne t'ai pas visé. Bah, frérot, c'est mon tweet. Tu mets ça sous mon tweet. Euh, il me dit, je ne t'ai pas visé. Ah frérot, tu, tu écris sur mon tweet. <laughs> je ne sais pas, tu as payé combien, mais beaucoup d'influenceurs le reçoivent gratuit et donc on peut être euh, une vision biaisée de la chose. Le mec, il a tout mélangé. Est-ce que tu me parles de quoi Tu me parles des soucis du jeu Tu me parles de ta jalousie de certains créateurs de contenu qui ne payent pas le jeu Toi, tu as dû le payer tu... Voilà. Je dis, bah, pourquoi me dire ça si je ne suis pas concerné il y a débat sous le tweet, donc j'ai donné mon avis sur la question du jeu ici. Mais là, ce n'est pas une question du jeu. Là, tu, tu es en train de débattre avec euh, certains influenceurs qui reçoivent le jeu gratuit et tout. mais Je dis, tu as parlé d'aspect financier du jeu et des influenceurs, ça n'a rien à voir. Bon, après, il a arrêté de répondre. Je, je, je ne comprends pas. <laughs> Dites-moi les avis, hein, je pense que voilà. Là, il n'a pas parlé des problèmes du jeu, on n'a pas pu débattre. Il m'a parlé d'un aspect financier, des créateurs de contenu qui ont le jeu gratuit et tout. Moi, je lui dis, bah non, moi, je l'ai payé, je te vise pas, alors tu viens parler sous mon tweet. Je ne comprends pas. <laughs> Clairement, je ne comprends pas. Bon, bref. Perso, je joue au jeu, mais ça me fait de la peine de le voir pas à la hauteur. Il y a le strict minimum. Et encore, j'aimerais juste qu'on arrête de sucer en mode Waouh, c'est le meilleur jeu des BZ Concrètement, dans les années 2000, les Budoka et Tenkashi proposent un meilleur produit. Euh, j'ai dit, t'es clairement les gens que je pointe du doigt avec ce tweet. Voilà. Moi, j'ai juste dit, si on n'aime pas, c'est votre droit. Et ceux qui aiment, c'est leur droit. Dire qu'il y a des jeux. Qui, euh, dire qu'il y a des joueurs qui disent wow, c'est le meilleur jeu des BZ, c'est leur droit. Il, il faut arrêter avec ça. T'as des, des gens, pardon, ils te disent pour eux, pour eux, c'est le meilleur jeu Dragon Ball. C'est leur droit. Que ça te plaise ou non. C'est pas une question de succès ou quoi. C'est un avis subjectif. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans Donc euh, voilà, il faut, faut arrêter. Après, il a dit... Euh, « Je sais, sauf que moi, je ne dis pas « le jeu est nul » et j'y joue. » Bon, ok, il joue, ok. « J'ai lâché 189 euros. » On reparle encore d'argent avec... Euh, je, pourquoi à chaque fois, on parle d'argent ?« Pour avoir un collector Micromania sans steelbook et carte euh, TGC. » C'est quoi le rapport là je, 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 Encore une fois, je ne comprends pas. <laughs> le, 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 le rapport, j'ai dit, c'était précisé. J'avais même détaillé sur YouTube chaque édition. On savait que tu avais le premium collector et tu avais le collector. Je vous avais dit... N'achetez pas le collector, c'est claqué au sol. Il n'y aura que la figurine, il n'y a pas le steelbook, il n'y a pas les cartes Fusion World, etc. Sur le site d'Ambandai, il y a Premium Collector et basta. Il n y avait pas le collector simple. Si. Ah si, il y avait le collector simple. Si, si, il y avait Premium Collector et collector. Mais là, tu parles d'un truc qui n'a rien à voir, je lui dis. Parce que là, on part sur un sujet, encore une fois, aspect financier. En fait, je me rends compte qu'il y a des personnes qui se retrouvent frustrées d'avoir dépensé autant. Je, voilà. Sur site de Bandai, je te jure, il ne montrait pas les deux versions et tout. Je dis si, car je les ai montrées en live, je me souviens très bien. Ça n'empêche que c'est de la merde. Bon. Mais ça y est, frérot, ça, c'est ce que tu dis que c'est de la merde. Même moi, je l'avais dit. Le collector était flingué. J'ai fait TikTok, j'ai fait YouTube, etc. pour le dire. Le collector est flingué. Si vous voulez vous faire kiffer, avoir un minimum de choses, c'est le premium collector. Sinon, ça ne sert à rien de prendre le collector. Moi, je l'avais dit. Donc là, en fait, on, on parle même plus du jeu. On parle euh, du collector, du truc, euh, mais on parle même plus de in-game. Après, voilà, il y avait euh, Brogito, il m'a dit les big terms, donc lui, il était d'accord. Je vous montre aussi quand même des gens qui sont d'accord avec moi, comme ça, au moins, on en met euh, pour tout le monde, tu vois. Ici, on adore Sparking Zero et personne ne pourra me faire changer d'avis, ni ne réussira à me convaincre de quoi que ce soit de mauvais, car ce jeu est une masterclass. Voilà, il aime. Et pourtant, je suis sûr que il sait que derrière, le jeu a des défauts. Mais derrière, il aime. Voilà. Ensuite, Sparking est nul. C'est pas une question d'avis, c'est un fait. Si vous n'arrivez pas à l'admettre, vous manquez de maturité. C'est tout ce qui manque de maturité de ne pas comprendre que un avis c'est subjectif. Voilà. Euh, cette mauvaise foi est aberrante. Il y a pas mal de choses à améliorer sur Sparking. Avec toi critiquer quelque chose de la licence égale être un rageux. J'ai traité personne de rageux. J'ai juste dit faut arrêter de vouloir absolument convaincre les gens que le jeu est nul selon votre vision quand les gens kiffent le jeu ça n'a rien à voir et après il dit quoi c'est triste pour un type de 40 ans <laughs> le rapport <laughs> beaucoup de fans de la première heure ont été déçus mais c'est quoi le rapport 40 ans je ne comprends pas Arnaud il a dit euh, il est MDR pourquoi parce que actuellement le 29 octobre il y avait 24 000 joueurs de connectés euh, sur le jeu, alors qu'avant on en a eu jusqu'à 122 000. D'accord Donc il faut reprendre également les choses Steam, PS5, Xbox, etc. Le jeu tourne en ce moment entre 30 000 et 40 000 joueurs. <laughs> je crois que vous n'avez pas conscience de ce que c'est 30 à 40 000 joueurs sur un jeu de combat Battle Arena. C'est juste qu'en fait il y a eu un pic à 122 000 qui est hors norme. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Il était évident que ça allait chuter. Je, je, voilà. Et ça va continuer à chuter. Et ensuite, le jeu va commencer à se stabiliser. Écoutez bien, spoil. Si le jeu se stabilise en 2025 à 10 000 joueurs par jour de connectés, c'est déjà excellent pour un Battle Arena. Voilà. Donc, vous parlez de choses que vous ne maîtrisez pas. PTDR, sans manque de respect, hein. mais c'est quoi ce niveau argumentaire de collégien Alors, on rappelle le niveau argumentaire de collégien. C'est dingue, les personnes qui veulent convaincre d'autres joueurs que Sparkling 0 est nul. Vous n'aimez pas, ne jouez pas. C'est de la logique en fait, mais laisser kiffer ceux qui aiment, c'est encore logique. De toute façon, ça critiquait déjà avant la sortie du jeu, ce qui est factuel. Oui, le jeu a des défauts, donc je le redis, mais aussi des qualités. Il n'y a pas d'argumentaire collégien. pas, c'est pas. Voilà. Euh, voilà. Sofiane Le Geek, mec, ça m'étonne pas. Lui, il a un problème, donc bien évidemment, il viendra. Je, je l'ai invité à venir. Faudra il faudra qu'il vienne à 18h en live. Euh, donc voilà, euh, je lui ai dit, hein, viens voir docteur Soso et je vais t'en donner de l'argumentation. On va, va t'en donner. Ah, et tu veux me soigner de quoi exactement ben, C'est ça le problème. Je lui ai dit, tu vois, t'inquiète, ça va bien se passer. Souvent, des malades ne connaissent pas leur pathologie. Je suis là pour les aider. Voilà. Eh je, je, voilà. bien, quelle bonté, mais de rien. Voilà, donc, euh, voilà on est là euh, pour soigner. Donc, c'est quand la consultation, je vous le redis, c'est euh, ce soir, 18h, en live sur la chaîne YouTube. Ensuite, euh, lui m'a dit T'as presque 40 ans. Ah, encore un qui me parle de l'âge. C'est dingue, hein Alors, j'ai 38 ans. Faites au moins l'effort, les gars. Vous voilà. voulez parler d'âge Faites au moins l'effort. J'ai 38 ans. Ton activité principale, c'est de parler d'une BD pour collégiens. T'es fier de toi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous En dire plus là-dessus, tu vois, c'est voilà. Donc, euh, je lui ai dit oui, je suis fier, hein, je voilà, et je ne veux pas changer de taf. Je, je le souhaite à tout le monde hein, de pouvoir vivre de sa passion. Je, je pense que tu es trop jeune, tu sais pas c'est quoi aller te casser le dos en usine, etc. Euh, J'ai connu ça. Bah, je peux te dire que faire des vidéos Dragon Ball, des lives Dragon Ball, des TikTok, tout ça, ou aller me casser le dos comme je faisais en usine, <laughs> oui, oui. À 38 ans, je préfère parler de Dragon Ball. Oui. Euh, ouais. euh, donc lui, il m'a dit, Sofiane, maintenant que tu n'as jamais imité un perso Dragon Ball devant ta femme. Euh, bon, euh, je sais pas c'est quoi le rapport avec Sparking 0, etc. Mais alors je lui ai dit, je fais même des vidéos caméra devant elle dans le métro. Voilà, tu vois, c'est elle qui tient la caméra. Tu vois. Et donc tu veux prouver quoi Je... Allah est donc je lui ai dit Allah ter, est qui veut dire alors euh, au cas où pour ceux qui ne savent pas, Halif, ça veut dire euh, jure, tu vois. Euh, Allah est c'est que Dieu te guérisse, voilà. donc, Dieu que Dieu te réveille, te guérisse. Bon bref. Ensuite, non, Sofiane, il a aucune qualité, sauf de bons OST. Donc là, on a euh, Gamno qui nous dit que le jeu n'a aucune qualité. J'ai même pas lu le reste. Quand on te dit le je, jeu, je me suis dit, je me suis arrêté, enfin je lui ai dit, je me suis arrêté hein, le jeu n'a aucune qualité, pas besoin d'en de lire plus du coup, lol. Ça s'arrête là. Tu vas lire ensuite son pseudo, anti-Sparking Zero. Le mec, dans son pseudo, c'est anti-Sparking Zero. Bah ben, ça sert à rien de discuter avec toi. Après tu veux qu'on discute On discute plus. <laughs> Donc voilà les amis, voilà. C'est la queue de l'eau ce soir, 18h en live sur YouTube. Il y en a beaucoup, ils vont venir, et ça, c'est qu'un échantillon. C'est qu'un échantillon. Je vous garde les masterclass pour ce soir. Parce que ouais, je pense qu'il va y avoir du lourd. Et vous n'êtes pas prêts. Moi non plus d'ailleurs. Je pense que voilà. Max de pouce bleu, moi, N'hésitez pas à partager, réagir. Et à ce soir, en live, 18h. Et abonne-toi à la chaîne en activant la cloche pour ne rien louper. Comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. <laughs>